je suis Nathalie Blanc, maître de conférence à l'Université Montpellier 3 en psychologie depuis 2001. Donc depuis un certain temps maintenant, je travaille sur cette activité de compréhension. Au jour d'aujourd'hui, je dirige le département de psychologie et je suis responsable au sein du laboratoire Epsilon du thème intitulé « Activité symbolique, développement, éducation ». Alors dans ce thème, il y a actuellement 4 enseignants-chercheurs qui travaillent, donc Claire Bréchet, Catherine Monnier, Ariel Cissot et moi-même. Et nous avons également plusieurs doctorants qui travaillent avec nous et qui participent activement aux différents projets que nous menons. Dans ce laboratoire, dans le laboratoire Epsilon, on s'intéresse à la fois aux capacités humaines, à la dynamique de ces capacités et aux conduites de santé. Donc, mes collègues et moi-même, on travaille sur 3 capacités humaines en particulier, à savoir la mémoire, la compréhension et la production graphique, c'est-à-dire le dessin. En fait, on s'intéresse à l'activité de mémoire. Par exemple, dans notre mémoire sémantique, on a un certain nombre de mots qui sont, entre guillemets, enregistrés. Et ces mots, ils peuvent avoir une connotation positive ou une connotation négative. Et par exemple, Catherine Monnier et Ariel Cissot, elles ont travaillé à justement essayer de déterminer cette connotation positive ou négative d'un mot. Est-ce qu'elle bouge avec l'avancée en âge? C'est-à-dire par exemple que le mot « bébé », qui est évalué plutôt positivement par les adultes, eh bien, à certains âges, chez les enfants, il est plutôt évalué négativement. Donc, c'est assez intéressant de regarder comment, pour un même mot, eh bien, sa valence et son intensité émotionnelle peuvent évoluer dans le temps. Donc, un certain nombre de travaux qui portent sur, justement, la mémoire sémantique, les capacités de mémoire chez les enfants. Pour la compréhension, c'est un thème qui m'est cher puisque c'est ce sur quoi je travaille depuis quelques années. Alors sur la compréhension, on s'intéresse plus particulièrement sur la façon dont, alors que ce soit l'adulte ou l'enfant, dont l'individu se saisit des informations pour comprendre une situation qui lui est présentée. Alors la situation, elle peut être présentée dans un film, dans un dessin animé, dans un texte qu'on écoute, dans un texte qu'on lit. Ce qui permet donc d'étudier à la fois chez l'enfant et chez l'adulte, en particulier chez l'enfant, que l'enfant sache lire ou pas finalement, on arrive à évaluer ses capacités de compréhension à travers différents types de supports. Quand l'enfant ne sait pas lire, on va passer par le dessin animé, qui se prête particulièrement bien à saisir comment l'enfant parvient, même l'enfant d'âge préscolaire, comment l'enfant parvient, en tout cas qu'est-ce qu'il comprend de l'histoire qui est racontée par le dessin animé. Pour les enfants qui savent lire, eh bien, on travaille à partir de différents types de matériel là aussi, et on s'attache particulièrement à travailler à partir de matériel naturel, c'est-à-dire que ce n'est pas des textes que nous fabriquons en laboratoire, c'est des textes qui sont familiers aux enfants, c'est-à-dire que c'est des textes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. On a par exemple travaillé avec le petit Nicolas. Donc les histoires du petit Nicolas à l'école primaire, les histoires des drôles de petites bêtes à la maternelle. On a également travaillé, toujours en primaire, sur le film Pogno sur la falaise. On a travaillé aussi sur le film du petit Nicolas. Voilà, donc on a un certain nombre de, on va dire, d'épreuves qui sont calibrées sur ces supports qui sont... familiers des enfants, puisque ce ne sont pas les chercheurs qui les ont fabriqués en laboratoire. Alors à titre d'exemple, un résultat intéressant d'une des études qu'on a menées, c'est de montrer que les enfants, au même titre que les adultes, sont très sensibles aux informations émotionnelles qui sont présentes dans un récit, donc quel que soit le format du récit. Donc ça veut dire que dans un dessin animé, dans une histoire qu'on écoute, ou dans une histoire qu'on va lire dans un livre, eh bien les émotions du personnage sont des indices très importants à la compréhension de l'histoire. Et donc,
ces informations émotionnelles, quelque part, elles peuvent aider les enfants à mieux comprendre l'histoire qui leur est racontée dans son ensemble. Donc évidemment, ça nous permet en tout cas de faire des parallèles entre ce qu'on observe chez l'adulte et chez l'enfant, puisque chez l'adulte aussi, les informations émotionnelles sont extrêmement saillantes. Alors pour donner aussi un exemple sur la production graphique, là c'est quelque chose qui est davantage exploré par Claire Bréchet. Elle travaille sur la manière dont les enfants sont capables de représenter dans leurs dessins les émotions des personnages. Donc on peut faire des parallèles aussi avec la compréhension, puisque lorsque les enfants écoutent une histoire, on peut leur demander de représenter l'émotion du personnage à un instant T de l'histoire. Et puis, ce qui est surtout intéressant dans les études que mène Claire Bréchet, c'est qu'on arrive à regarder de façon assez fine à partir de quel âge l'enfant est capable de représenter dans son dessin la colère, la joie, la tristesse. Et un résultat intéressant qu'elle a récemment obtenu, c'est de montrer qu'il existe des différences entre les garçons et les filles, notamment pour certaines émotions, en particulier la colère. C'est-à-dire que les petits garçons, ils sont plus sensibles à la colère, avec l'idée que finalement, il y a quelque part du stéréotype qui se joue là-dedans. Donc les garçons, ils sont plus enclins à exprimer la colère, et les petites filles plus enclines à exprimer la tristesse. Donc des résultats qui sont intéressants. Ce qui fait que finalement, on a, on va dire, un ensemble de résultats qui sont convergents et qui s'alimentent les uns les autres, puisque on a des données à la fois qui proviennent de comment les mots sont évalués, du point de vue de la valence, du point de vue de l'intensité chez les enfants et chez les adultes, comment ces mots-là peuvent être perçus dans une histoire, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, et comment est-ce que l'enfant parvient à transcrire ses émotions ou ses informations émotionnelles dans son dessin. Donc, ce qui permet vraiment d'avoir des va-et-vient entre les différentes capacités humaines. Toutes ces capacités, enfin en tout cas tous ces résultats qu'on a réussi à obtenir et qui continuent d'alimenter notre réflexion, nous permettent d'avoir aujourd'hui des connaissances à la fois théoriques et méthodologiques qui nous permettent d'engager d'autres travaux qui ont une toute autre dimension et qui sont plutôt en rapport avec le domaine de la santé, puisque le laboratoire Epsilon s'intéresse également aux conduites de santé. Donc pour donner deux exemples, on a travaillé sur la compréhension des campagnes de prévention santé. Donc en santé publique, on fait le constat, pas uniquement nous, hein, je veux dire c'est un constat général, qui est assez facile à faire, c'est-à-dire que quand on est exposé à des campagnes de prévention santé, les publicitaires utilisent plutôt, ou en tout cas les annonceurs utilisent plutôt un message très sérieux et plutôt font appel à la peur pour tenter de convaincre l'individu de changer de comportement, ou en tout cas d'adopter un comportement qui ne le mette pas en danger ou qui ne pourrait pas avoir de conséquences négatives sur sa santé. Or, nous, on a pris vraiment le contre-pied de ces stratégies qui sont habituellement utilisées, avec l'idée que dans le domaine de la publicité commerciale, il y a une stratégie qui marche très bien, c'est l'humour. Et donc, on s'est posé la question de savoir est-ce que finalement, transposer à ce domaine de communication, hein, qui est particulier, le domaine de la communication en santé publique, est-ce que finalement, l'humour serait pas une meilleure stratégie pour marquer les esprits et pour... entre guillemets, persuader en douceur les individus d'adopter un comportement qui serait moins risqué pour leur santé. Et donc on obtient des résultats assez intéressants qui montrent que effectivement utiliser un ton humoristique n'enlève pas au sérieux du message et permet à l'individu d'être moins sur la défensive et donc d'être plus réceptif finalement aux messages de santé et aux préconisations qui sont proposées. Donc ça, c'est un des exemples. Un autre exemple sur lequel on a travaillé avec l'équipe d'Epidore, de Val d'Aurel. À Epidore, ils travaillent sur la prévention santé aussi et ils s'intéressent notamment
aux relations qu'on peut faire entre publicité, choix de consommation et santé. Et donc, en collaboration avec Epidore, on a mis au point un jeu qui s'appelle Epidore Market, et donc qui s'adresse aux enfants de tout le Languedoc-Roussillon. Et les enfants sont venus utiliser ce jeu, et ce jeu, évidemment, a une visée éducative. C'est de l'éducation pour la santé, c'est-à-dire que dans ce jeu, eh bien, l'enfant touche du doigt un petit peu quelles sont les différentes stratégies marketing qui sont utilisées pour l'inciter à choisir un produit de consommation courante, et dans quelle mesure eh bien, ses choix de consommation vont avoir une incidence sur sa santé. Donc l'idée, c'est effectivement d'utiliser les connaissances dont on dispose aujourd'hui sur la façon dont l'individu, qu'il soit adulte ou enfant, perçoit une information, sur la manière dont il traite cette information et sur la façon dont, effectivement, puisqu'il va mémoriser cette information, dans quelle mesure cette information va avoir une incidence sur ses comportements par la suite. Là, l'idée, c'est de rendre l'enfant, entre guillemets, conscient des influences auxquelles il est soumis et d'essayer de lui montrer que il y a vraiment une relation entre publicité, consommation et santé.